garçon qui conduit tranquille avec ses lunettes pour voir flou. C'est des lunettes de détection de morilles en fait. Ah d'accord. Infrarouge et tout. Ouais. Ok. Bon bah voilà, allez, on va sur les stations qu'on connaît bien et on verra bien si ça a poussé par rapport à la semaine dernière. C'est parti. Bon bah Maxou avec son œil de lynx, hein, comme d'hab, il petiote. Je vais tout doucement. C'est la Vulgaris cathédrale. Magnifique. Magnifique. Alors, on a une autre. Ça, je me semble qu'on a mis ça. Hein. Celle-là, elles y étaient. C'est celle-là, bah, c'était pas celle-là. Il me semble. Et puis l'autre, elle est là, en train de sortir. Ouais, c'est tout juste. Hein. Ça sort seulement, hein. Il n'y a rien là. L'autre, hein. Toujours. Ah ouais. Ouais. Donc, celle qu'on avait laissée la dernière fois, eh ben, Mademoiselle Lily s'en est occupée. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Bon, ben, on est sur la place où on avait fait plein de coniques. Enfin, plein. On en avait trouvé pas mal. Eh ben, toutes celles qu'on a laissées, dont celle de Tony, dont voilà, celle des enfants, on en avait laissé quelques-unes quand même, eh ben, il n'y en a plus une seule. Voilà, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais j'en vois plus une seule. Voilà, voilà. Une petite hotte. Oui, des trottoirs. Ah, tu peux l'accueillir celle-là. Comme t'en as laissé une là-bas. Du... Ouais, t'en as laissé une là-bas, donc t'as le droit de l'accueillir. T'aurais accueilli celle-là, celle-là te l'accueille pas. Ouais, c'est pas la peine de tirer la langue, la boulette. Alors, Maxime a vu quelques avions. Voilà, le premier. Là-dessus. Ok. Bon. On est le 15 avril. Nous serons de la Saint-Georges. Tricolome de la Saint-Georges démarre sur quelques stations. Donc la Momo, elle devrait être là. Hein. Au revoir. Voilà, nouveau frein à côté de Max. Voilà, foutu. Par terre. Mort. Celui-là. Voilà. Il est tombé. Tombé. Ils sont tous tombés. Voilà ce qu'on voit tous les 10 mètres. Voilà. Encore un qui est bien tombé. C'est un charme ça, donc c'est un charme, il n'a pas résisté non plus. Et c'est pas que les histoires de tempête. Hein. Ah bah non, bon, bah, Max vient d'en trouver une, mais alors ce qui paraît minuscule. Voilà. Œil de lynx. Alors. C'est la morille de l'obus. Hein. Ah, c'est la morille de l'obus. Ah, bah oui, l'obus est là. Ok. C'est par là. Ça marche. C'est par là. J'ai regardé à deux fois, j'ai peut-être pas sûr que c'en une. Mais c'en une, là. 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 Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, alors là, c'est même plus que petit. Voilà, tu vois. C'en est bien une. Ouais, elle est là. Ouais, elle est là. Sur la racine du frêne, on voit bien, la racine est juste là. Ouais. Bon, bah. On a compris, hein. On a compris. Bon, mon petit Max, là, on traque depuis une bonne semaine. Qu'est-ce que tu penses? Bah, vu la catastrophe sur les frênes, et pas que sur les frênes, à mon avis,
les stations que j'ai trouvées il y a 2 ans, c'était un phénomène de stress de morille. Et le problème, c'est que c'est fini, puisque les arbres sont morts. Donc, je pense que le mycélium, il suit le mouvement. Hein. Ça disparaît avec. Donc là, on voit quand même le changement qui s'accélère. Ouais. On peut faire un petit coup d'œil sur la mortalité de toutes les espèces, mais si avec le frêne encore, mais il y a énormément d'espèces qui sont impactées. Voilà. Donc, le hêtre commence. Ouais, le hêtre, oui. On sait que c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'eau, donc voilà. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que s'il y a plus d'eau, les hêtres, c'est pareil. Ouais. Bon, les épicéas, c'est un peu pareil aussi. Hein. Ouais. Ils ont plus la capacité de produire assez de sève. Donc les scolytes, ils pénètrent dedans. Mmh. Et on sait comment ça termine. Ouais. Et puis il y a plein d'autres, Les chênes, on a les chenilles. Ouais. Alors c'est pareil. Deuxième foliation à faire. Souvent en manque d'eau. Donc une fois, deux fois, ça va, mais au bout de 5 fois, 6 fois, 7 fois, est-ce que les chênes vont s'en sortir aussi? Donc c'est triste. Hein. Là, Puis j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Les bouleaux, les noisetiers, les sureaux. Ouais, il n'y a pas qu'un bref, arbre. Hein. Non, non. C'est la forêt complète. Parce oui, oui, oui. Donc là, on n'ose pas. Moi, je n'ose même plus montrer l'état de nos forêts parce que c'est pas beau à voir, quoi. Non. Là, les générations futures, je sais pas ce qu'elles vont avoir comme forêt, mais c'est triste, hein. Ouais. Puis moi, je sais même plus quoi dire, parce que franchement, là, on a fait hier les stations où j'en faisais, on va dire, en pagaille, il y a encore même 4 ans en arrière. Hein. Ouais, oui, ouais. Et là, on revient avec 4 morilles hier. C'est une catastrophe, quoi. Et là, on a les bonnes conditions, hein. Non, ouais. Après, Bon, après, l'hiver a été sec. Alors, est-ce qu'il y a du développement de mycélium aussi pendant la période automne-hiver qui a fait qu'il se développe seulement un peu maintenant? Et donc, du coup, ça... Mais bon, moi, je pense que le premier facteur, c'est quand même la perte de l'arbre hôte, hein, principal, qui est le frêne. Le frêne, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en plus de positif? Vu ce qu'on a discuté un petit peu avec Nicolas, qu'on a rencontré la semaine, il y a quelques jours, qui nous a sorti une bonne nouvelle. Voilà, donc c'est que les frênes qui n'ont pas été touchés, ça va être des frênes résistants. Donc s'ils arrivent à bien se reproduire, normalement, ils devraient recoloniser un peu notre patrimoine forestier. Quoi. Mmh. C'est une maigre affaire. Hein. Oui, parce qu'après, c'est à l'échelle humaine. C'est 20 ans. Je crois qu'on aura du mal à voir ça, nous. Mmh. Ouais. Moi, je le regarderai en vidéo. Mmh. Ou on le regardera de là-haut, mais... Ou de là-haut, ouais. Moi, ouais, ça serait peut-être plus de là-haut, moi. Ouais, ouais, la note d'espoir, c'est qu'on voit quand même quelques rejets, mais alors, le frêne, c'est 2,5% qui résiste, c'est ça? Ouais, à peu près 5, on va dire peut-être 5%. Allez, 5% max, il est optimiste. Voilà. 5%, donc ce qui fait pas beaucoup. Donc voilà, on va dire, on parle quand même pour l'est de la France. Hein. Ouais. On va pas dire que c'est pareil partout. Non plus. Bon, on a encore un peu plus de pluie que les autres. Hein. Donc ouais. Quand on voit dans le sud, c'est pareil. Hein. Dans le sud, c'est le contraire, c'est la sécheresse. Mmh. Et d'autres facteurs qui jouent. Nous, on n'a plus l'hiver non plus, donc voilà. Ça jouait quand même pas mal l'hiver. Oui, hein. Oui. Un bon hiver faisait du bien. Les réserves en eau et tout ça. Ouais, là il y a quand même beaucoup trop de facteurs pour que la nature s'en sorte. Hein. Mm. Et franchement, c'est désolant. Voilà. Bon, on va faire court. On va essayer de trouver quand même quelques morilles dans tout ça. Ouais. Mais on fera pas des kilos nous en ce moment. Voilà. Ça c'est net. Ça va être une ou deux par-ci par-là. Et on sera content de voir ça. Et on sera content. Mm. Et l'année prochaine, on saura pas si on en verra une ou deux. Ouais. C'est tout le problème. Voilà. Chercher une nouvelle station, ça c'est important. Puis, avec l'espoir. Et voilà. Accélérons la transition écologique. Oui, là. Mais pas n'importe comment. Voilà. Ouais. Mais là, vu comme c'est fait, ils coupent même les arbres vivants, donc. Mm.
Ça, les histoires forestières, moi, je veux pas m'en mêler. Non, non, non. Pas faire de polémique. Ah, pas faire de polémique. Ni de politique, mais. Ni de voilà. Politique, ouais. Le constat, il est là. Donc, nous, on constate. Ce qu'il reste à faire, ouais. On constate, on ne peut que dire, voilà, c'est triste. Bon, bah, voilà, comme on a dit, hein, c'est un peu compliqué maintenant. Ouais. Attendre les jours qui suivent pour voir si ça va pousser. Pas grand chose, hein, c'est petit petit, alors voilà. On espère que dans quelques jours ça va vraiment pousser. Voilà, bah, à la prochaine les amis. Salut les petits loups. Salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars.